Bonjour, bonsoir tout le monde. En pile information tombée, en pile lutte politique, eh bien, Rockefeller Vincent, qui est ministre de justice et sécurité publique, perdit travail. Renal Duberis, qui est secrétaire général du Conseil des ministres, perdit travail. Et deux mondes qui ont cité là, c'était des journalistes, des mondes qui ont travaillé pour Jovenel Moïse Jeune Justice. Eh bien, les mondes qui ont évoqué là, c'est. Ariel Henry. Avant même qu'on continue, que te remercie tout le monde qui déjà abonné avec channel là, ou même qui beaucoup fait ça n'a mandou pour faire ça kounya. Abonnez avec channel là, activez cloche notification et puis m'a encourager nous tout pour nous like vidéo et quitter un commentaire. On commence. Ariel Henry révoqué Rockefeller Vincent ensemble avec Renal Luberis. Après Ariel Henry fin gagné premier manche combat ça face à Claude Joseph, il faut le pousser d'eau. Claude Joseph de yo, dans primature, il prend place li. Et côté Ariel Henry lui-même, li signe un accord ensemble avec Youri La Tortue et un pile l'autre parti politique pour yo mettre comme premier ministre, mais après ça lui-même il pral accepter installer Joseph Lambert comme président. Eh bien, automatiquement Ariel Henry lui-même premier ministre. Monsieur dit pas qu'on bagarre à cause ça. Donc c'est une situation ça nous arrivé. Ariel Henry son politicien qui vraiment vraiment fort. Et monsieur tellement utilisé un pile tactique, il y a plein monde qui commence à douter. C'est effectivement monsieur pas un assassinat Jovenel. Eh bien, actuellement c'est une situation ça nous trouvons là. Nous trouvons avec un Ariel Henry qui c'est le chef dans l'exécutif là. Parce que normalement, selon la constitution, l'exécutif là doit être exécutif bicéphale. Ça veut dire un président ensemble avec un premier ministre. Mais avec Ariel Henry, qui est en tête primature comme premier ministre, monsieur sent-il seul chef. Il commence à pousser d'eau tout le monde qui a bel problème. Même dans le dossier, assassinat Jovenel, côté non monsieur cité, comme quoi dire, il était en communication avec Joseph Félix Badiou. À 4h03 dans le matin et 4h20 dans le matin, monsieur lui-même, pour le défendre, il dit pas bral répondre à la question du commissaire gouvernement, Bedford. Et monsieur contre-attaqué dans le sens qu'il fait en pile manœuvre politique pour actuellement, il a révoqué Rockefeller Vincent ensemble avec Renal Duberis. C'est une situation ça nous arrive. Mais gros combat, ça n'a pas suivi là. Li beaucoup fini. Parce que Pierre Espérance lui-même parle jodi a. Pierre Espérance parle jodi a côté li prend position. On va le faire entendre déclaration Pierre Espérance. Nous t'a saisi pour nous et qui Jean Pierre Espérance lui-même li réagit et qui position lui-même li prend. Bon faire nous entendre Pierre Espérance. C'est un accord pour raison économique. Pour satisfaire besoin économique de certains mondes, n'a plus bon appétit, mais n'a plus population, c'est lui-même qui vient dernier mois. Après, on n'est pas capable de chasser Jovenel avec tout le régime PHTK, et puis Jovenel mourit pour avoir fait alliance avec PHTK, et puis c'est PHTK qui va le bas pour arriver, c'est PHTK qui va faire procès et massacre, 13 massacres qui fait dans le pays en 2018-2021. Non, ça c'est pas qu'il faut faire mon dormir. Et même pas parler de décantation parce que c'est l'obligation pas de faire décantation tout le temps. Mais ça qui verra, c'est un bagage qui est extrêmement grave, qui montre les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale en un pays où il y a des populations souffrent. Il y a persécuté les gens, il y a fait policiers et il y a fait alliance avec PHTK pour qu'il y ait une situation de même genre. Il y a au détriment de la population. Nous, il y a des gens qui vexent parce que yo en bas avant le premier ministre, vous pensez qu'on mettez babouquette dans le bouchon parce que nous dit premier ministre dans le rapport. Mais dans le rapport de la police judiciaire, même Jean yo t'a dénoncé pour la justice de Martin Moïse, parce que Martin Moïse s'est mis des photos et mettre mon fils d'Oval dehors. Donc, yo mandé pour la justice de Martin Moïse, mais yo pas d'accord sur mon fils d'Oval, yo pas d'accord pour la justice de Ariel Henry, naturellement, dossier, il est dans le cabinet d'instruction, il faut qu'il respecte la formule. Dans le rapport RNDDHPA, nous n'avons jamais vu Ariel Henry impliqué dans l'assassinat
Jovenel Moïse. Nous avons des informations comme ça. Mais on te parle. Quel problème vous avez? Donc, où est la quantité de campagne qui fait contre Martin Moïse? Parce que Martin Moïse te mette et une photo du côté de Marine. Alors que nous seulement dit non rapport qui. Ou information qui n'ont rapport et de CPJ, nous dit Ariel te parler avec Badio, seulement ça. Badio, c'est un monde qui est responsable du crime, qui coordonne le crime, assassinat. Après Jovenel, qui a fini assassiné Jovenel, pendant Martin Moïse dans Kaila, Badio entre dans Kaila, il a fouillé chambre Jovenel, il prend document, il prend l'argent. Et il est clair que avec monde qui a parlé à Badio, mais qui a parlé d'assassinat pour nous-mêmes. Eh bien, c'est la situation que nous trouvons. Côté classe politique la divisée. Des gens nous pensent qu'ils ont appuyé Ariel Henry, pas appuyé. Nous pensons que Pierre-Espérance est plus ou moins appuyé au début, mais après Pierre-Espérance est sorti. Rapport fait comprendre que Joseph Félix Badio a parlé avec le Premier ministre dans le jour de l'assassinat du président. Eh bien, tout le jour, ils ont commencé à fouetter Ariel Henry. Mais Ariel Henry lui-même te joint un accord ensemble avec SDP qui gagne en tête li André Michel. Eh bien, gèl aide pour joindre un accord avec André Michel au cas diriger pays. Premier ministre c'est Adelante. Li pa tande personne d'autre secteur, li vle rete dans accord là et li vle par exemple parce qu'il pensait qu'il gagne appui les États-Unis avec déclaration Daniel Foote fait pour faire comprendre plutôt qu'un seul monde qui est légitime en tête exécutif là que deux mondes. C'est effectivement une situation ça nous trouve côté Ariel Henry ensemble avec tout accord là contesté. Et bien qu'on a faut attendre un citoyen qui prend position claire. Monsieur c'est lui-même qui est directeur OPC qui c'est Office Protection du Citoyen. Monsieur Relé Renan Edouville, monsieur mandé pour Premier ministre démissionner parce que dans le cité dans l'assassinat Jovenel Moïse. Puis le 10 septembre 2021, suite à confirmation relevé téléphonique qui démontrait que le Premier ministre actuel, Dr. Ariel Henry, et M. Félix Badio, youn présumé assassin que la police a cherché depuis un certain temps, eh bien, deux mouns a été en conversation téléphonique. Et dans toute conversation téléphonique, yon te gen youn qui te fait à 4h03 dans matin date 7 juillet. Et yon te gen l'autre yon te fait à 4h20. Même jour assassinat. Et information qui gagne, qui disponible, révèle que Premier ministre dans le moment ça, il était Montana et ce fameux Félix Badio, il était encore sur les lieux du crime. Donc, au regard du principe droit pénal national et international, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous considérons le Premier ministre Ariel Henry comme étant un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Opinion nationale la ta reme konnen. Opinion internationale ta reme konnen peut-être. Nous tous qui là, nous ta reme konnen à de qui ça monsieur ça t'a parlé à 4h03 à 4h20. Est-ce que Premier ministre t'a parlé avec Félix Badio? Est-ce que Félix Badio c'était un patient que le tabac l'opéré? Est-ce que Félix Badio a besoin d'assistance médicale? Est-ce que Félix Badio a gagné un monde qui a des difficultés et il est obligé de faire appel à docteur Ariel Henry dans le moment ça? Ou bien est-ce que docteur Ariel Henry, qui a fin nommé quelques jours par le président de la République comme premier ministre, est-ce que lui-même encore il t'a coordonné à distance assassinat président? Fort de ce constat, nous décidons de prendre une position objective, une position courageuse par rapport à la révélation. Nous demandons,
purement et simplement la démission du Premier ministre Ariel Henry. Pour le capable de mettre à la disposition de la justice, pour tout le monde capable de connaître qui ça qui t'est passé. C'était une déclaration pour demander démission Premier ministre Ariel Henry. C'est toute information ça nous dégain pour aujourd'hui, on a passé rendez-vous dans un petit temps qui pas trop long pour une autre vidéo.